Le petit train jaune est une véritable merveille ferroviaire qui relie Villefranche-de-Conflans à la tour de Carole en seulement 3 heures. Ce train, au charme indéniable, nous offre une expérience unique au cœur des Pyrénées-Orientales. Ses origines remontent à plus d'un siècle, et depuis lors, il sillonne les paysages époustouflants de la région, avec son tracé spectaculaire long de 60 km. Ce trajet ferroviaire pittoresque est une véritable aventure qui nous transporte à travers des vallées verdoyantes, des gorges profondes et des montagnes majestueuses de la région du Conflans. Puis il nous hisse à une altitude de 1592 mètres à proximité de Mont-Louis et se termine sur le haut plateau de Cerdagne. Et une gare jalonne son tracé. La plupart sont des arrêts facultatifs. Il faut se signaler au contrôleur pour descendre du train. La ligne est à voie unique, donc seules quelques gares permettent le croisement des trains. Un wagon découvert permettait de contempler pleinement le paysage, mais des chutes de pierre dans certains tunnels ont conduit la SNCF à supprimer ce wagon lors de notre passage. Ce train est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une véritable attraction touristique qui nous permet de découvrir la beauté naturelle et la richesse culturelle des Pyrénées catalanes. Nous croisons des villages pittoresques, des églises anciennes, et si nous le souhaitons, nous avons même la possibilité de nous arrêter pour explorer des sites historiques ou accéder aux pistes de ski de fond romain. Nous sommes émerveillés par l'ingéniosité de l'infrastructure ferroviaire. 650 ouvrages d'art ont été édifiés sur le trajet. 19 tunnels, des ponts suspendus, des viaducs, dont le pont Gisclard, haut de 80 mètres, et le viaduc Séjourné, haut de 65 mètres. Ces ouvrages nous donnent un aperçu de l'ingénierie exceptionnelle qui a permis de créer cette ligne de chemin de fer unique en son genre.
Après une petite halte au village de la Tour de Carole, nous reprenons le train jaune pour le voyage de retour et une redescente vers Villefranche-de-Conflent. Thank you.